Salut à tous les amis, c'est Dr Play. Comment allez-vous les amis? Moi je vais très bien et en forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qu'on va lancer sur Watch Dogs 2. Je n'ai jamais joué encore à ce jeu, c'est la première fois que je vais y jouer, c'est la première fois que je vais y mettre les pieds. Et je vais le faire avec vous en tout cas les amis. Donc il y aura plusieurs épisodes là-dessus, hein, d'accord? En plusieurs chapitres plutôt. Et on verra comment ça va nous amener, mais je pense que ça va durer longtemps, vous en faites pas les gens. On va s'amuser, on va découvrir le jeu. Et j'espère qu'on aura quelque chose à dire à la fin de tous les épisodes qu'on aura fait. Voilà. Sur ce, c'est parti les gens. Oh. Difficulté, on va laisser en mode normal. Attendez. Je sais pas, on était en quoi? En mode normal, préférence. Oh non, en mode normal. Let's go alors. Hop. C'est parti. Ok, Retro. Considère ça comme ton initiation. Ta mission, oh, si tu l'acceptes, oh, stylé jeu. Est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de ça bug pas en plus, c'est ça qui vient. Et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Donc le site iOS. Je sais pas ce qu'ils sont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. Alors, on peut monter par là. Hop, essayez de suivre. Ah, oh. Ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. De la musique tranquille en plus, c'est nickel ça. Alors attendez, comment on pirate les caméras? C'est X cette fois-ci. Oh, stylé. Voilà, compte bancaire. Ok, 75, ok, nickel. Ah. D'accord, faut qu'on accède au site iOS, d'accord. Ok. Ah non, c'est là qu'on doit créer des chances. Là, il n'y en a plus. Ouf. Ok, donc une attaque au corps à corps, ça n'a pas changé, c'est la même touche. On va attendre savoir s'il va bouger. Oui, il va bouger. On peut récupérer son arme ou pas? Non. Bon, le mieux, ce serait qu'on puisse... comment on range son arme? Le mieux c'est quasiment on va faire un braquage. Ah, attendez, je vais voir comment on range l'arme parce qu'en fait je connais pas les paramètres. Souris, clavier. Quadricoptère, c'est quoi ça? Non, à pied du coup, smartphone rangé. Non, monter. Alors. Smartphone, non, recharge un arme. On peut faire... Ah, regagner une arme, ok, voilà, c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais en fait. Ça va pas nous servir. C'est se le faire tranquillement. Voilà. Salut. Voilà, ni vu ni connu. C'est nickel. Voilà. Alors. Bon, là, ça a l'air d'être tranquille. Alors là, il y a quelque chose à se faire, là. Ouais. Petite tablette. Nickel. On peut courir, du coup. Ça, c'est stylé. Alors.
Oh. Ok. Oh, oh c'est stylé ça par contre. Ah oh, ils ont grave géré pour Ça sert à le rien, je 2. te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà? Synonyme ça. Je veux une vraie réponse. C'est pas un truc des extraterrestres. Hey, les jeux vidéo non plus. C'est pas n'importe quel alien. Quelqu'un d'autre a un problème avec... Ah non, pas ça. C'était plutôt rapide. Eh bah dis donc, il est bien équipé le jeune homme. C'est sympa, putain. Ils ont... Alors, ils ont déjà... C'est... Rétro. Le hacker du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais. On te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais moi. Putain, j'en reviens pas. Donc on veut pirater son truc. Oh, nickel. Ah, mais la qualité du jeu est nickel, franchement. D'accord, donc on va vraiment stocker de l'énergie. Ah non, d'accord. Ok, donc là on pirate ça. Nickel. C'est nickel ça. Ah, il y a beaucoup plus de boutons hein, qu'avant. Bon, juste avant, on va voir. C'est quoi son histoire? Il a grandi à Auckland, mais il est né à... Non. Son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale, jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CTOS. Je veux voir s'il est malin. Têtu? Ou les deux?
sauvage. Il veut buter. Il était là, je crois. Allez hop, ferme la porte. Oh putain, les mecs sont tous à ma poursuite. Allez, casse-toi, laisse-moi faire mon travail. Va falloir que je redescende. On va localiser là, comme ça directement. Ok. Ok, donc il faut... Rien à pirater aux enfants.
Et voilà! Plus simple comme ça, non? Il a déjà fait ça, on dirait. Le CTOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors. Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CTOS. Mais une fois dans l'engrenage, toujours surveillé. Waouh! Il a tenté le coup! Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Eh ben, let's go. Il va dans le four, là? Il fait près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Eh ben voilà, bravo à lui. Il est dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Mais c'est stylé ça! Putain, GG! C'est génial tout ça! Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? On se demande pourquoi. C'est quoi ces conneries? Merde. Alors, j'ai qu'à... Ok. Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yeah. Eh bah dis donc. Chaud. Ah, très chaud.
Alors, déclencher la fonction de l'objet, placer un capteur de... D'accord, donc c'est tac, F, R. Il y a un truc qui a fait du bruit là-bas. Ah, le temps, c'est qu'il me faut tout le monde en fait. Oh, merde. Il me faut tout le monde en fait sur le champ. Pour que lui vienne. Ah, tu fais chier toi. Hey, t'as entendu ça? C'est quoi ça? F-16 ammo vital. Robotic voice present after interaction.
toute façon, il faut qu'on sorte un jour ou l'autre. Hein. Putain, j'ai raté la mission. Mais c'est trop chaud, c'est tellement chaud. Faut pas vous faire détecter, mais c'est un truc de malade. Hey, dispersez-vous, allez, je vais pas être là. On l'a perdu. Les flics prendront le relais. On va essayer de se dépêcher un peu plus. Ce sera mieux. Voilà. Let's go. Allez, on sort. Ne bougez plus. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Bloom. Et dans ton cul aussi. Eh merde! Show! Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ces serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe ? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise.
Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec. Ah, du coup, c'est eux, le DeadSec, du coup. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS ne fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi? On peut l'exploser et foutre le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance... Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers. On a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on leur montre ce que... Ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles... sont utilisés pour détruire leur liberté, putain. Merde. J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Le mec qui lui répète bien la chose. Excusez-moi. Vous avez l'heure? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non? Tu fais quoi? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça. Dans ton cul, Bloom. Eh bah, ben, dis donc, ils sont bien bourrés. L'effet de l'alcool ne résout rien du tout, même pour se concentrer ou se déconcentrer. Waouh, en tout cas. Ah, je crois qu'on est rentré bien à sec. Allô, il est à qui ce téléphone? Ben maintenant, il est à toi. Le mien à moi, il est où? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Hackerspace. Où ça? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver.
Réveille-toi, putain. Mais je suis chez qui, là? Génial le jeu, pour l'instant le début il est génial. Watch Dogs 2, putain. J'ai bien fait d'acheter ce jeu, franchement. Ta musique style en plus là. Nickel. Merde. J'étais torché, c'est ça? Ah, attends, on va attendre la fin. De dire, mon ami. Va t'acheter des fringues et je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Bon. Eh ben voilà. Bon, on est un petit peu secoué. On ira se balader, mais dans le prochain épisode, les gens. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, pour ce début d'épisode. On reviendra pour le prochain épisode, donc l'épisode 2. Donc soyez là, soyez en forme. Et je vous dis au prochain épisode, les amis. Bye tout le monde!